nhà hôm nay con gặp quyển sách cho em của con. Sách gì đó? Sách tiếng Pháp là Le Trois Wagons và tiếng Việt là ba trộm. Trộm? Nói nó trộm, nó là cướp mà. Ba cướp trộm. Ba tên cướp. Ba tên cướp. Brigands là cướp mà. Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'il apparaissait, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient à ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain matin, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis d'or, de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toute cette richesse. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouge. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région. Et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors ils se construisaient des maisons dans le voisinage et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes pour chaque brigand pour les remercier. C'est la fin de l'histoire. Ok, Mình có con hai đọc tiếp cho nghe chứ. Bye bye. Bye bye.